comme tu veux que qui n'a pas de jambes, qui dit Seigneur, si je pouvais être à sa place, j'allais sauter plus que tout le monde dans la salle. Pendant que tu n'acclames pas, il y a quelqu'un qui n'a pas de main. Il dit Seigneur, qu'ai-je fait pour que je puisse manquer les mains? Si tu pouvais me l'étonner, j'allais acclamer plus que tout le monde dans la salle. Est-ce que tu peux acclamer exagérément? Il est dit de tes acclamations, c'est un Dieu qui t'aime sans raison. Ah, il t'aime tel que tu es. Sans argent, il t'aime. Avec l'argent, il t'aime. Pécheur que nous sommes, il nous aime. Il n'est pas un Dieu d'amour ou de profit. Il nous aime tel que nous sommes. Il n'a pas attendu à ce que nous soyons bons. Nous soyons justes pour nous aimer. Pendant que nous vivions dans le péché, lui, il est monté à la croix. Et il est mort à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Je sens l'amour de Jésus. Hi, Sauveur. Alléluia. Ikerabo sate. Yes. Eloiga, Eloiga. Yes. Lisa fore manegasta. E plorina i sovas. Inda yakita bababashe tayake. Eloi, Eloi sovas. Many God, many gloria doiga. Jehovah leza wafuak. Est-ce que tu peux exagérer? Et tu n'as pas en acclamant Jésus. J'aime bien l'acclamer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en Israël, il y avait même des jours où il fallait seulement acclamer. Israël, Soba, 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 soba. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui as compris. Ainsi, tel que nous sommes debout, nous allons lire un passage. C'est un passage que nous connaissons très bien. Nous sommes dans Psaume 118. Et nous allons lire le verset 17e. Psaume 118. Le 17e verset. Amen. Amen. La Bible est en train de dire, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Pouvons-nous rassurer que Dieu nous bénisse. Nous voulons parler sur ce thème ici qui dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que je ne mourrai pas? Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux le lui dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ne mourrai pas. Quand nous regardons bien, ce psalmiste ici, il est en train de parler au futur. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Quand je regarde, je comprends ceci. Dans sa situation là où il était, la situation en question attirait la mort, faisait preuve de la mort, montrait déjà que cette situation, si on ne tire pas d'attention, on risque de mourir. Mais dans cette situation-là, il refuse de mourir. Oh, je dis à quelqu'un, peut-être toi aussi, tu es dans cette situation-là. Quand tu la regardes, elle est confuse. Quand tu la regardes, tu te dis, je ne sais pas où est-ce qu'elle va m'amener. Mais j'aimerais te donner une stratégie. La meilleure des stratégies, c'est la confession. Même si la situation semble contraire,
à ce que tu désires, à ce que tu vois, dis seulement, je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Il ne pouvait pas parler de la mort si la situation n'évoquait pas la mort. C'est-à-dire cet homme, il était sûr et certain que cette situation est difficile. Elle peut réellement m'attirer la mort. Mais elle confesse. Elle dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Donc j'ai compris que la première des choses que cet homme pour arriver à dire que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il avait foi en Dieu. Alléluia. Amen. Malgré la situation que tu vis, malgré la situation que tu traverses, oh, j'aimerais t'exhorter ce soir. Aie confiance totale en Dieu. Je dis, aie confiance en Dieu. Cet homme avait confiance en Dieu. Cet homme avait foi en Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, je ne mourrai pas. Celui qui a la foi, il confesse. Même si la situation semble être contraire à ce qu'il désire, mais parce qu'il a la foi en Dieu, il confesse. La foi nous pousse à confesser. Paul dit, si j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Quand on croit, on parle. Je dis, quand on croit, on doit confesser. La foi nous pousse à confesser. Est-ce qu'il y a quelqu'un de foi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un de foi ce soir? Il dit, je ne mourrai pas. Pourquoi? Parce que j'ai foi à un Dieu qui est capable de ressusciter même si la mort arrivait. Alléluia. Amen. Pour ne pas mourir, confesse ce que tu crois. Alléluia. Amen. Pour que ta situation change, il faut la confession de foi. Papa nous a toujours parlé qu'il y a la foi et il y a aussi l'esprit de la foi. L'esprit de la foi, c'est ce qui nous pousse à confesser. Même si les choses semblent être difficiles, c'est pourquoi ce jour-là, David devant Goliath, il apparaissait petit. Il apparaissait incapable. Il ne pouvait rien. À le voir comme ça. Même lui-même David, il savait que de lui-même, il ne pouvait rien. Mais ce qui faisait la force de David devant Goliath, c'est la foi de David à son Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, tu viens au devant de moi avec des lances, avec tes javelots, mais moi je viens au devant de toi pas avec la pierre, pas avec la lance pierre, mais je viens au devant de toi au nom de l'Éternel, Dieu des armées. David attaquait Goliath au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pas à cause de sa force, pas à cause de sa puissance, mais il pouvait affronter Goliath à cause du nom de l'Éternel, à cause de sa confiance, de sa foi dans le nom de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, le géant qui est au devant de toi, ce n'est pas avec tes biceps que tu vas le terrasser, ce n'est pas avec tes moyens que tu vas le terrasser, mais tu peux le terrasser si tu as foi en Dieu et cette foi qui parle. J'écris, c'est pourquoi je parle. La foi nous pousse à confesser. Alléluia. Amen.
Je ne mourrai pas. Sitafariki. Je vivrai. Lakini mitaishi. Parce que je crois en Dieu. Je n'ai pas la imani kwa Mungu. Oh, je dis à quelqu'un. Nasema na mtu moya. Le Dieu en qui tu as cru. Mungu uliyeaminia. Ah, il ne te laissera pas mourir comme ça. Hakukuacha kufariki vile. Je dis ne te laissera pas mourir comme ça. Hakukuacha kufariki vile. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Tunatumaini kwa Mungu wako. Alors c'est pourquoi même si les choses semblent difficiles. Hata vitu vinaonekana kuwa vya nguvu. Même si c'est flou. Hata vinakuwa vya nguvu. Même si c'est noir. Hata vinakuwa même si avec les yeux physiques, il n'y a pas d'issue, mais parce que Dieu est là, oh, ça me rappelle quelqu'un qui dit encore, je sais une chose, que mon rédempteur est vivant. Lui aussi, il parle au futur. Il dit, il s'élèvera. C'est-à-dire, même présentement, s'il ne s'est pas encore levé, mais au moins, il est vivant. S'il ne se lève pas aujourd'hui, c'est possible qu'il se lève demain. S'il ne se lève pas demain, c'est possible qu'il se lève après-demain. Si après-demain ne se lève pas, même après un mois, c'est possible qu'il se lève. Même après une année, c'est possible qu'il se lève. Je sais une chose, que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Même si je n'ai plus de chair, même si ma peau s'attache à mes os, je sais une chose, que mes yeux les verront. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Tes yeux à toi, pas les yeux du voisin, ce sont mes yeux à moi. Si toi tu ne crois pas, moi je dis ceci, mes yeux, pas les yeux de papa René, mes yeux, pas les yeux de ton voisin, mes yeux le verront. Il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Dieu, des fois, il laisse nos ennemis agir. Alléluia. Amen. Quand il se lève le dernier, ce n'est pas pour dire qu'il est le dernier, mais il sait. Il sait. Quand lui se lève, après lui, personne d'autre ne se lèvera. Laisse tes ennemis se lever. C'est leur temps. Il y a un temps où ton rédempteur, c'est lui en qui tu as cru. Quand il va se lever, tes ennemis vont tomber. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit, lorsqu'il se lève, nos ennemis se dispersent. C'est pourquoi je te dis, quand lui va se lever, il n'y aura personne d'autre qui se lèvera dans ta vie. Il dit, je sais une chose, que mon rédempteur est vivant. Ça, c'est l'esprit de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job était dans une situation. Même ses ennemis, ses amis, qui venaient pour le consoler, ils ne pouvaient pas croire que Job sortir de la situation, pouvait se relever. Peut-être c'est ton cas ce soir. Quand les gens te regardent, ils ne pensent pas qu'il y a de l'avenir. Mais je sais une chose, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je dis pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant, même un chien malade, même un chien boiteux, il vaut mieux qu'un lion, Simba, qui a tout, qui est mort. Mwenye kufwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses. Itu kia kwanza. La première des raisons. Itu kia sababu ya qui me pousse à dire. Ile ni sukuma. Je ne mourrai pas. Sitafariki. C'est que je crois en Dieu. Kusema niko na imani Mungu. J'ai confiance en Dieu. Na kwa na imani kwa Mungu. C'est pourquoi. Jo kwa mana. Cet homme pouvait dire. Ule mutu alipaswa kusema. Je ne mourrai pas. Sitafariki. C'est parce qu'il croyait en
en Dieu. C'est parce qu'il avait foi en Dieu. C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. J'exhorte quelqu'un ce soir. Place ta confiance en Dieu. Je dis, mets ta foi en Dieu. Les hommes peuvent chanceler. Les hommes peuvent changer. Mais Dieu, il ne change pas. La Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Pour dire ceci, ce qu'il a fait hier, il est à même de le faire aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il est à même de le faire demain. C'est pourquoi même si tout le monde peut ne pas croire, toi, crois. Amen. Alléluia. Amen. Crois. Amen. Crois. Amen. Crois. Je dis crois. Même si la situation est compliquée. Je dis crois. Crois. Parce que ton Dieu est capable. Je ne mourrai pas. Sitafariki. Lakini mitaishi. Natatangaza. De l'Éternel. Alléluia. Amen. La deuxième des raisons. Pourquoi cet homme? Ou pourquoi toi et moi? Nous pouvons dire que nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre. La deuxième des raisons. C'est parce que nous avons dû prier aux yeux de Dieu. Je dis, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es très important pour Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tout le monde peut te mépriser, mais je suis venu te rassurer que tel que tu es là, tu as du prix aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as du prix aux yeux de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose. Nous sommes dans Matthieu 10, 28 à 31. Matthieu 10. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux balancer ta main? Que Dieu te bénisse. Matthieu 10. Matayo kumi. Est-ce que nous y sommes? Et tu coupes pas moya. Matthieu 10. Matayo kumi. Nous pouvons lire. Tu te assommes. La Bible est en train de dire. Bien qu'on ait bien ivi. Ne craignez pas. Musiwa wogope. Ceux qui tuent le corps. Wale wanaua ile naribu. Le corps. Le mwili. Corps. Mwili. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Na ila iwezi kuwa nafsi. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Ce que j'aime, c'est ce qui suit. Il est mis la peine d'aller la fouette. Ne vendons pas deux passereaux pour un sou. Atujishe mandeke mbili njuu ya supu. Njuu ya makuta kidoko sana. Njuu ya makuta kiloko. Cependant. Jok nikule. Il n'en tombe pas un sur terre sans la volonté de votre père. Akuanguke moya pa dunia bila mapenzi ya Mungu wenu. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Kama ni Biblia yako naweza kupiga kistari. Il n'en tombe pas un sur terre. Akuanguke moya pa dunia sans la volonté bila mapenzi de votre père. Ya baba yenu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Ah, ce qui suit, c'est pour toi. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Il dit, ne craignez pas. Je suis venu dire à quelqu'un que ne crains pas. Ne crains pas la multitude de tes ennemis. Parce qu'ils ne peuvent rien. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne craignez pas. Parce que le pouvoir de tes ennemis s'arrête jusqu'au niveau du corps. Ils n'ont pas du pouvoir sur ton âme. S'ils peuvent faire souffrir
guérir, c'est juste ton corps. Mais ton âme, c'est Dieu qui en est le garant. C'est Dieu qui en est le chef. Alors il dit, ce soir, ne crains pas tes ennemis. Même s'ils sont nombreux, même s'ils sont des multitudes, ne les crains pas. Je dis à quelqu'un, ne crains même pas. Même si tu rêves mal, ne crains pas. Alléluia. Amen. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de dire, ne vendons pas un passero pour un sou. Alléluia. Amen. Ne vendons pas un passero pour un sou. Tout sorte de passero pour un sou. Mais il n'en tombe pas un. Sur terre. Alléluia. Amen. Il n'en tombe pas un sur terre. Sans la volonté de votre Père. Pas le père des oiseaux. Il dit, il n'en tombe pas un sur terre sans la volonté de votre Père. Oh, je dis, Dieu est ton Père. Nasema Mungu ni baba yako. Nasema Mungu ni baba yako. Dieu c'est ton Père. Aina baba yake abandeke. Ce n'est pas le père des oiseaux. Mais asema kuna ataka ndeke kamo. Yo, nya okeno oiseau. Kale kanaweza kuanguka. Il peut tomber. Kama kuna mapenzi. Si ce n'est pas la volonté. Apana ya baba yake andeke. Père de l'oiseau. Mais y a baba yako weye. Ton Père à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, n'en tombe pas un sur terre sans la volonté de mon Père. Mon Dieu, sans la volonté de ton Père qui est ton Dieu, sans la volonté de ton Père qui est Dieu, il dit même les cheveux de votre tête sont comptés. Le matin, lorsque tu t'es réveillé, même avant de venir en ces lieux, tu as peigné le cheveu. Tu ne sais pas combien de cheveux sont tombés de ta tête. Mais Dieu qui est ton Père, lui il sait combien de cheveux tu as perdu. Alléluia. Amen. Il sait combien de cheveux sont tombés de ta tête. Et il continue à dire, si Dieu peut garder les oiseaux, mais vous, tel que vous êtes là, tel que tu es là, tu es plus que beaucoup des oiseaux. Ah, je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, parce que toi, tu es plus que les oiseaux, tu es plus que les animaux, tu es plus que les animaux. Si le Dieu, si Dieu, qui est ton Père, il veille, il garde les animaux, les oiseaux. À combien plus forte raison, toi qui es créé à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi je dis, je ne mourrai pas, je vivrai, parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? C'est pour dire ceci. Même si tu sais frapper le pierre aux oiseaux, mais si tu tues un oiseau, c'est parce que Dieu en a décidé là au ciel. Si tu refuses, il ne mourra pas. Ça, c'est l'oiseau. Mais toi, tu dépasses plus. Dieu qui fait ce il veille aussi sur toi. Dieu qui fait ce yako. Il veille sur ta maison. Dieu qui garde les enfants. Yako. Garde les enfants. Dieu qui garde les enfants. Dieu qui garde les wako. Nasema huyu Mungu anashilalake asinzi yake usiku mchana achunge vyako vyote mujina la Yesu Kristo, paske weye uko wabei kumacho yake. Hallelujah. Amen.
Je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as du prix. Unakuwa na bei. Tu as du prix. Unakuwa na bei. Aux yeux de Dieu. Bele mecho ya Mungu. Même si les hommes ne voient pas ta valeur. Hata watu waone bei yako. Mais aux yeux de Dieu. Lakini bele mecho. Tu as de la valeur. Unakuwa na bei. C'est pourquoi Dieu n'acceptera pas que tu puisses mourir par la main des hommes. Mikono ya watu. Soma na magharibi ya leo. Pourquoi ce soir? Minasema, lufu yote ya kumikono ya batu. Haina adresi yako. Ni pato na adreso. Ah, minasema magharibi ya leo. Je dis ce soir. Ataka mabana. Banashimama, même s'il se lève, parce qu'on a payé, parce que tu as payé, aux yeux de Dieu, il ne verra pas ton adresse. Ah, si tu n'as pas foi, je dis que ça touche même ton voisin. Alléluia. Amen. Ils ne te réussiront pas. La Bible est en train de me dire que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche. Oh, tu ne seras pas atteint. Je dis ce soir, quel que soit le complot, quelle que soit la multitude de ceux-là qui en veulent ta vie, ils ne toucheront jamais à ta vie. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Angaribi je l'air. Dis, Nasem. S'il y a des pièges, s'ils ont élevé des filets, pour que toi tu tombes dans leur filet, que ces filets-là, qu'ils ont tendu contre toi, contre tes enfants, contre ta maison, sois en feu, au nom de Jésus. Mujina la Yesu Christo. Minasema ile makila, que tous ces filets-là, iwake moto, prendre feu, ilungule moto, Mujina la Yesu Kristo. Yesu Kristo. We hautanguka mo. Watu ni wapai tombe. Bobe nyewe. Amen. Batanguka mo makila ya. Tombe dans leur propre filet. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Mutu mwa shinyele. Nasema ula rikuteke amashish. Luki ya pita pieshe. Ula rikuteke anteta. Pita pieshe. Ula ripanga kapopo. Ya Aita kubamba we. Sana wapata zamu. Atanguka mo ye mwenyewe. Watu tombe lui. We utaishi. Watu va vivre. Minasema we utaishi. Watu va vivre. Minasema utaendelea kuishi. Parce que Mungu. Parce que Asiaisha na wewe. Na pas fini avec toi. Ninasema na mtu mmoja. Parle quelque. Nasema Mungu. Dieu. Engariki na wewe kazi. Mission avec toi. Asiaisha na wewe. Na pas encore fini avec toi. Asiamaliza na wewe. Na pas encore fini. Eko na kazi na wewe. Ya elle mission. Kwa maana mimi nasema. Pourquoi je parle? Uko na bei kumacho ya Mungu. Precious aux yeux de Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Unakuwa na bei kumechwa Mungu. Dieu. Mungu. Qui est ton père? Unakuwa baba yako. Qui veille sur les animaux? Uleko na kesha baba nyama. Les oiseaux. Wandeke. Les animaux. Wanyama. Les poissons. Wasamaki. Ne sont pas Awana. Les enfants de Dieu. Watoto ya Mungu. Ce sont des créatures de Dieu. Biumba, mais nous, lakini, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Ah, je dis ceci, toi tel que tu es là, tu es né de Dieu, et ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je dis, tu vas triompher. Oh, je dis, tu vas triompher parce que tu es né de Dieu. Dieu a dit. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Oh, je dis, je ne mourrai pas. Je vivrai parce que Dieu m'a créé. Pas pour tomber, pas pour être dominé, mais pour dominer. Oh, tu es l'image de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu dois dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu es appelé à dominer. Il dit domine, même au milieu de tes ennemis, tu dois dominer. Je dis à quelqu'un,
quelqu'un, même là où il y a tes ennemis, Dieu ce soir, il vient t'ordonner à dominer. Domine. Même au milieu des rosicristiens, domine. Même au milieu des sorciers, domine. Même au milieu de ceux-là qui ne t'aiment pas, je dis domine. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et tu la vois ça que Shangili a Yesu. Je ne mourrai pas. Je vivrai parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu. Je suis l'image, la ressemblance de Dieu. Il m'a créé pas pour mourir mais pour régner. Tu dois régner. Je dis tu dois régner parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Domine. Je dis domine. Même au milieu de tes ennemis, domine. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Unakuwa na bei mbele ya macho ya Mungu. Je ne mourrai pas. Sitafariki. Je vivrai. Taishi lakini. Je raconterai. Natatangaza. Les œuvres de l'Éternel. Matendo ya wa milele. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Sitafariki. Je vivrai. Lakini mitaishi. Je raconterai. Natatangaza. Les œuvres de l'Éternel. Matendo ya wa milele. La troisième des raisons. Na sababu ya tatu. Pour laquelle? Toi et moi, nous pouvons dire que nous ne mourrons pas. C'est que nous sommes au service de Dieu. Oh, tu es au service de Dieu. Alléluia. Amen. Je sens des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, parce que tu es au service de Dieu, ya Mungu, tu ne vas pas mourir. Weye. Parce que tu sers Dieu, Mungu, tu ne vas pas mourir. Parce que tu construis pour Dieu, Mungu, tu ne vas pas mourir. Parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que je sers Dieu. Parce que je suis au service de Dieu. Un jour, Ézéchias, il tombe malade. Dieu envoie Esaïe. Il dit, va dans la maison d'Ézéchias. Dis-lui de mettre de l'ordre dans sa maison. Parce que la maladie dont il est victime, va l'amener jusqu'à la mort. Ézéchias se tourne vers le mur, vers le mur de lamentation. Il commence à appeler Dieu. Il dit, Dieu, souviens-toi que je marchais devant ta face avec intégrité. Alléluia. Amen. Il dit à Dieu, souviens-toi que ma première année de mon règne, j'ai ouvert les portes du sanctuaire, les portes de ton temple, alors que les portes étaient fermées. Moi, pendant mon règne, j'avais encore une année. J'ai pensé à ta maison. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. La Bible dit, Esaïe n'était pas encore en dehors du cours. Dieu lui parle. Il dit, retourne. Va dire à mon serviteur qu'il vivra. Ataïsh. Je lui ajoute encore 15 années. Il va vivre. Ataïsh. Parce que Ézéchias était au service de Dieu. Ataïsh. Parce que Ézéchias a rappelé Dieu. Ataïsh. Je dis à quelqu'un, Ataïsh, tu n'as pas encore bâti ta maison, Ataïsh, mais tu es en train de bâtir le temple de Dieu. Le Dieu qui a ajouté 15 ans à la vie d'Ézéchias. Il n'a pas changé. Il est le même. Yeah. Aujourd'hui, éternellement. Toi aussi, tu n'as pas construit. Mais tu construis pour Dieu. Je dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si
Vous sentez la mort venir. Tourne-toi au mur de lamentation. Nous avons le mur de lamentation. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Va devant ce mur-là. Rappelle à ce mur que souviens-toi. J'étais encore locataire, mais je donnais mon argent pour que ta maison soit bâtie. Je te rassure, ce qu'il avait fait avec Ézéchias, il le fera aussi avec toi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Pourquoi? Parce que je suis au service de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis au service de Dieu. Je refuse de mourir. Je n'ai pas encore fini avec Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. La Bible dit, c'est lui qui me sert. Mon Père l'honorera. Dieu n'a pas encore honoré ta vie. N'accepte pas de mourir. Est-ce que tu écoutes ces choses? Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Et tu l'ignorais. Dieu ne t'a pas encore honoré. N'accepte pas de mourir comme ça. Je dis n'accepte pas. Dieu ne t'a pas encore honoré. N'accepte pas de partir comme ça. Avant le temps de Dieu. N'accepte pas. Là où il y a le service pour Dieu. La mort n'a pas de place. Je dis quand il y a le service, la mort n'a pas de place. Je me rappelle ces jours-là, lorsque Tabitha, Dorcas était décédée. Oh, les veuves ont dit, celle-ci non. Si les autres peuvent partir, mais pour celle-ci, nous refusons. Elle ne partira pas. Pourquoi? Parce qu'elle était au service. Aujourd'hui, à quelqu'un, tu peux aussi dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que je suis au service de Dieu. Je suis au service de Dieu. Aujourd'hui, à quelqu'un, tu ne finiras pas tel que tu le crois. Ce n'est pas tel que tu le penses. Ce n'est pas ça le calcul de Dieu. Les calculs de Dieu. Iko ingine. Et autres. Manjia ya Mungu. Les voies de Dieu. Iko ingine. Et tout autre. Mawazo ya Mungu. La pensée de Dieu. Iko ingine. Et tout autre. Vile bantu beko naona. Comme les gens le voient. Aina njo vile Mungu beko naona. De la même manière que Mungu kona kona. Dieu te voit. Wewe ku kazi yake. Dans son œuvre. Ingekuwa vile bantu yako beko na wasi. Mina kutabiri mangaribi ya leo. Je te prophétise ce soir. Hautakufa. Tu ne mourras pas. Ataka morilota lufu. Tu as révélé la mort. Mina sema luta kubamba. Mujina la Yesu. Parce que weye. Parce que toi. Huko kukazi ya Mungu. Mina sema weye. Toi. Huko na muyenga Mungu. Lufu luende mbali na maisha ya. I love the tavi. Mina sema weye. Kela toi. Mina nasawa muyenge Mungu weye. Je vois que tu ne construis pas pour Dieu. Mina nasawa weye au muyenge Mungu. Je vois que toi tu ne construis pas pour Dieu. Kama kuku mtu. Si ya quelqu'un. Ule kona muyenga Mungu paifashi. Mina mutabiri mangaribi ya leo. Je prophétise. Mina sema lufu luende mbali na nyumba ya. I love the ta maison. Mina sema lufu luende mbari na adresi ya batoto yako. Wewe ule kuna muyengia Mungu. Hautakufa. Tu ne mourras pas. Bado uyaisha kazi ya Mungu. Tu n'as pas encore terminé. Mungu ako na wewe mission. Tu as une mission. Mission ya Mungu hayafika kumwisho. La mission de Dieu n'a pas encore terminé. Mungu ashihonore maisha ya. Tu n'as pas encore. Usichike kufa. N'accepte pas de mourir. Kama wengine batechika. D'autres vont accepter. Bale ni bo. Mais mimi nakukatarie. Mais toi je t'interdis. Mimi nasema wewe mimi nakukatarie. Je t'interdis. Mangaribi ya leo. Ce soir. Kama imani yako ilianza kuichika. Sita foi. Mimi naingia muimani yako. Mimi nasema utaenda. Je dis tu ne partiras pas. Kama wengine batechika kwenda. Si d'autres vont accepter de partir. Wewe utaenda. Mais toi tu ne partiras Mungu pas. Mungu akurudishe buzima. Que Dieu te retourne. Ule Mungu alirudisha buzima. Le Dieu qui avait retourné. Maisha ya Job. Dans la vie de Job. Asibadilike. N'a pas encore changé. Alirudisha buzima mu maisha yako. Retourne la vie dans ta vie. Alirudisha buzima mu bintu byako. Tu retourne la vie. Hata kama vyote vilikuwa bishakufa. Même si tout était déjà dit. Anafufulaka. Il est ressuscité. Anatosha.
anatoka kumavumbi. Il retire de la poussière. Analurishaka. Il retourne. Minasema kunurishie. Il te retourne. Jua urimutumikia. Parce que tu l'as servi. Jua ukumukazi yake. Parce que tu as son service. Magharibi ya leo. Ce soir. Bile byako birikufa. Tout ce qui était de Bianse kushikia neno la Mungu. Puisse écouter la parole. Bianse kufufuka. Puisse ressusciter. Nasema bianse kufufuka. Le Dieu Mungule capable anaweza de ramener ya kulurisha le mort à la vie bafu kubushiba qu'il ramène alurisha tout ce qui était mort dans ta vie qu'il le ramène à la vie alurisha kubushiba hallelujah amen je dis qu'il ramène alurisha tout ce qui t'appartient yote qui était déjà mort puisse recevoir la vie ipokee bushima le Dieu Mungu qui a parlé ularisema devant Belle. La tombe de Lazare. Alors que tout le monde désespérait, alors que tout le monde disait qu'il n'y a plus d'espoir, alors que tout le monde disait que c'est déjà fini, oh j'annonce à quelqu'un ce soir, pour toi ce n'est pas encore fini. Je dis ce n'est pas encore fini. Les hommes peuvent dire c'est fini, mais celui qui a le dernier mot, il n'a pas encore prononcé son dernier mot. Il n'a pas encore prononcé. Aïasema. Il n'a pas encore prononcé. Aïasema. Son dernier mot. Misemo yake ya mwisho. Les hommes peuvent dire c'est fini. Watu wanaweza kusema kunaisha. Même tes frères. Hata wanduku yako. Quand ils te regardent. Wakati wanakuangalia wewe. Ils peuvent dire. Wanaweza kusema. Huyu hakuna tena namuna. Celui-ci a plus encore moyen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Je me rappelle une fois. On est allé prier pour un papa. Hallelujah. Amen. On l'a trouvé au salon. On l'a déjà étalé sur une petite mousse là. La manière dont on l'avait étalé. On attendait. Pour dire on ne sait pas. Atuyue. Si demain réellement il va continuer à vivre et quand nous sommes entrés nous avons vu réellement kwa ukweli. Que la situation Mambo yake. Semblait être compliquée ça c'était nous alléluia Amen. Mais nous avons pris courage lakini nous avons quand même prié lakini. Alléluia Amen. Mais Lakini, ce papa là, ule baba, il vit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les hommes pensaient que Mushiko Abuta Kachika hasta fikisha kesho. Mais Mungu ye, mais Dieu lui, yari asema taishi. Asema na weye. Je parle aussi avec Hata bile birikufa. Hata bantu barikuwa na zania. Ya kusema kesho ya kwa ina. Oh, huyu Mungu analifufulaka basi. Alurise buzima. Retourne la vie dans ta vie. Alurisha buzima. Retourne la vie dans tes activités. Retourne la vie dans tes enfants. Au nom de Jésus Christ. Il dit Anasema. Suis Nico la résurrection Ofufuko. Et je suis la vie na Nico uzima. Dieu c'est la vie Mungu ni uzima. Et là où il y a la vie pale pana kwa la mort n'a pas de place na je dis là où il y a la vie pale pana kwa la mort n'a pas de place na parce fwashi. Que la vie est en toi Juma, que la mort commence à disparaître na je dis parce que la vie est en Juma, toi que la mort commence à quitter parce que la vie est au-dedans de toi que la mort disparaisse au nom de Jésus, je dis que la mort disparaisse. Au nom de Jésus, le Dieu qui a ressuscité Lazare, il est le même. Il est là. Il est à ces lieux. C'est pourquoi ce soir, il descende et qu'il nous délivre de toute forme de la mort. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Il dit je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai. Dis à ton voisin. Je n'ai pas encore raconté. Je ne vais pas mourir. Est-ce que tu parles ou tu ne parles pas? Je n'ai pas encore raconté. Ce que tu as déjà fait. Je ne mourrai pas. Mina sema mishi ya sema. Parle. Bantu abayaona. Les gens n'ont pas Mina katala kufwa. Fit de mourir.
Je refuse de mourir. Comme je n'ai pas encore rencontré. Comme je n'ai pas encore rencontré. Je ne mourrai pas. Pose la question à ton voisin. Est-ce que et je t'ai déjà annoncé un jour. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous savez, il y a d'autres choses. Annoncer ou raconter, ce n'est pas seulement. Lui-même va constater cela. Déjà, c'est déjà annoncé. Savile. Comme il n'a pas encore savile constaté. Si pas encore je t'interdis de mourir. Hallelujah. Amen. Bado shia tangaza. Comme il n'a pas, tu n'as pas encore. Ni kusema Mungu ashiaisha na mie. C'est pour la vérité que tu n'as pas encore. Atariki na biakufanya mu maisha yangu. Il a encore des choses à faire. Bile bita nisukuma. Ce qui va me pousser. Niende nikatangaze. Allez raconter. Hallelujah. Amen. Ashiaisha na wewe kasi. Encore fini avec. Mimi nasema utakufa. Je ne mourrai pas. Bado uyatangaza. Pas encore raconter. Mapendo ya Mungu. Matendo ya Mungu. Wema wa Mungu. Mimi nakukataria mangaribi ya leo. Usichike. N'accepte pas de mourir. C'est que la mission de Dieu n'est pas encore à sa fin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Je n'ai pas encore raconté ce que Dieu a déjà réalisé dans ma vie. Je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je t'ai dit ce soir. Tu n'as pas encore fini avec toi. Quelque part. Tu commences avec toi de quelque part. Quelque part. Tu pars avec toi quelque part. Là où tu es. Aina njo pa mwisho. Tu n'as pas encore la fin. Kitabu ya maisha yako. Le livre de ta vie. Kikunaendelea kuandikwa. Continue encore à être dit. C'est pourquoi je dis. Kitabu akiyafika kumwisho. Le livre n'est pas encore à son terme. Ne meurs pas. Hallelujah. Amen. La vie de nous. Maisha ya mtu. C'est une histoire. Ni hadithi. Tu as une histoire à raconter. Ukuna hadithi ya kutangaza. Hallelujah. Amen. Tu as une histoire. Ukuna hadithi. À raconter. Ya kusema. Avec ton Dieu. Na Mungu wako. Hallelujah. Amen. Je ne mourrai pas. Sitafariki. Je vivrai. Lakini mitaishi. Je raconterai. Nitatangaza. Les œuvres de l'Éternel. Matendo ya milele. Pourquoi? Tu as nini? Parce que je fais en Dieu. Nikuna imani. Pourquoi? Parce que j'ai du prix au jeu de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis au service de Dieu. Voilà les trois raisons qui peuvent me pousser. Qui peuvent te pousser à dire je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux te tenir debout? Hélas, nous voulons prier. Tu n'as pas de combat. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? On a besoin que Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Saint-Esprit, merci. Est-ce que tu peux bien acclamer? Tu ne m'acclames pas moi. Oui, tu es en train d'acclamer. C'est lui qui te dit ce soir que tu ne vas pas mourir tel que tu es. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique répandre? Saint-Esprit, merci. Rome t'a gâté faxant. Hello, Sai Keramane Santa. Zopaine Geras. Bien Pélez. Nous voulons replier Yamaïgas. Saint-Esprit, merci. Dispose-toi. Hey, là. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique d'adoration? Est-ce qu'on peut élever d'abord Dieu? Le Dieu qui est capable de délivrer de la mort. Le Dieu capable de délivrer même dans les griffes de lion. Même dans la fosse au lion. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever. C'est ce Dieu que nous voulons adorer. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever. Le Dieu capable de changer des situations. Le Dieu capable de transformer la vie. C'est ce Dieu que nous voulons élever. Hallelujah.
Sopaika. Ferme tes yeux là où tu es. Funga mechako pale wito. Concentre-toi. Ojipane tu. Regarde à ces dieux-là. Agaria tout le monde. Chante en esprit ensemble avec le musicien. Et si l'esprit te pousse à prier, commence à l'adorer. Commence à l'élever. Parce qu'il est dit. Tu as la style. Tolingi kolo wanyos. Tolingi kolo wanyos. Merci Saint-Esprit. Accentuons pour qu'à tifo. Adore-le. Yahweh Zambé Zoua. Adore-le. Wabudu. Adore-le. Yahweh Vila Kana yo. Yahweh Vila Kana. Adore-le bien-aimé. Wabudu Pendo. Adore-le Sobas. Wabudu Pendo. Yahweh Vila. Yekama Shatai Keras. Tema. Eloisa. Yamalamu Yakitogo Pesa. Elai Pate. Yamalamu yo. Erokita imas, Yakitoko, Losakita, my God, Yahweh, Yahweh Zambe, Zua, my God, Kimbo, Rebo Sata, Yahweh, 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 Adore, Adore, il a dit, Yahweh, 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 Zua, Kimbo, Adore Jésus. Abudu Jésus. Sopainos. Adore, adore, mon frère, il sauve. Oh, Yasu, Yasu, Yasu. Alléluia. Nous t'adorons quand tu mérites, oh Dieu. Toi qui vis au siècle des siècles. Le Dieu capable. Alléluia. Le Dieu qui change. Yahweh Bolimonayo est ton Dieu. Le mal en bien. Yahweh. Adore. Sobos. Et ton dimo qui. O pesa viso moana na yo. O pesa viso moana. Moana na yo. Ne te retiens pas. Pona koku fe la viso. O si ti chugo lu. N'entends pas la prière de Koba pour prier. La viso. Même lorsqu'on l'adore, on peut prier, on peut pleurer. Adawe zame zua. Jésus. Zame zua. Zua kembo. Kembo. Totomboli maboko, totomboli maboko, come on. Totomboli maboko. Bona lokumu na yo. Bona lokumu na yo. Tosofi mitema. Tosofi mitema na. Na biso. Biso. Mosusu lokola yo, asate, asate Yesu. Mosusu lokola yo. Asate. Azali. Yahweh Zame. Yahweh Zame, Zua, Zua Kembo,